Mais Tête avec Bédelot, comme vous le savez, est une émission éducative en direct sur Facebook que le professeur Patrice Baptiste, votre serviteur, vous apporte chaque jeudi soir à 7h en collaboration avec Radio Télé Cajou pour vous mettre au courant de tout ce qui se passe dans le domaine de l'eau et de l'environnement en Haïti et sur la planète. Tout ceci dans le but de sensibiliser tout le monde sur les problèmes de l'eau et de l'environnement. Comme je vous le dis toujours, l'avenir de la planète vous concerne tous, et surtout la nouvelle génération. Alors, je vous demande de partager cet épisode dès maintenant. Cela me fera grand plaisir et l'environnement nous remerciera. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'IFS 7, Mette Blois, rentrez la caille. Jeudi, c'est 9 juin 2022. C'est deuxième émission dans le mois. Ma profite de tout le monde qui fête dans le mois de juin. Bonne fête! Il m'a souhaité tout le monde bienvenue dans 67e épisode Retete Ken Bédelot. Retete Ken Bédelot, comme nous tous connaissons, c'est une émission éducative là, que nous gagnons en direct avec moi-même, professeur Louis-Christian Patrice Baptiste. Chaque jeudi soir à 7h, en collaboration avec Radio Télé Cajou, pour faire nous tout connaître ce qui a passé dans le domaine de l'eau avec l'environnement dans le pays d'Haïti et sous la planète là. Et puis tout, nous devons sensibiliser tout le monde sous cause si là. Fin jeudi à sujet c'est Journée mondiale océan. Donc, on peut aller dans un pays qui a organisé l'activité ça. C'est la Miekounia en Mauritanie. Eh bien, salutations d'usage vous faire pour tout le monde. Quel que soit côté où il est dans le monde là, et pour brancher, nous disons bonne écoute. Il m'a demandé nous tout. Partagez l'épisode là, partagez. Et puis tout, n'oubliez pas fait don. Tout ça que m'a fait là, écoutez, et c'est pour nous à faire. Donc, si don yo, il y a bienvenue tout, pour nous aider. Bien avancé dans l'émission ça. Parce que on a porté tout ça qui gagne si je cherche pour nous. Eh bien, si donc, la bien servi plateforme où était Kembe Bloa qui travaille pour nous. Pas oublier faire don yo. Nous gagnons Cash App et nous gagnons Zelle. Nous, elle, on paraît sur l'écran.
Bien, Martin, donne-nous. Merci en pile. Et puis tout, gagne au monde qui suivi l'émission ça, juste en Afrique. Et puis, qui t'ont dit commenter pour moi, demandez-moi pour qui ça, toute journée internationale ça y est. Très important, commenter yo. Ça permet moi, non seulement pour te qui choy qui est intéressant pour nous, mais répondre à la question, éclaircir nous sous ça que nous manquons éclairage sur nous. Eh bien, pas répondre à la question ça. M'a dit que chaque journée internationale, eh bien, les bail leaders yo yon opportunité yo informer public là sous thème qui lié à tout défi qui pendait sous tête nous. Tant qu'on ka di droit fondamental, nou ka di développement durable, nou capable di tout la santé. Et puis chaque journée ça yo, c'est une occasion tout lié pour système Nations Unies, pouvoir public yo, ak société civile là tout. Puis organiser des activités de sensibilisation et puis tout puis mobiliser les sociaux. C'était réponse à question qui était possible. Eh bien, demandez-nous partager épisode là pour que l'autre yo capable joindre nous qui soit dans ça que n'a bail là. Deuxième bail que nous allons parler écoute. Là, tu as information que nous avons, qui est important, nous jouons entrer l'information. Bien, voilà l'information. Qui ça nous gagne comme information? Oui, bagaille là, il frappe nous en pile pour l'information. Ça. Le fait que nous avons un domaine environnement, eh bien, la forme était à Kembe de l'eau. Coubé bien bas devant assassinat ministre environnement République Dominicaine qui arrivait lundi que se passait là après journée mondiale environnement qui était dimanche 5 juin. Eh bien, Orlando Jorge Mera joint l'emmoli dans le bureau même. Ils ont entré, ils ont assassiné. Donc, nous voyons l'insécurité, ça, les sous toutes les lacunes, pour nous faire en pile attention. Eh bien, maintenant, dis-nous, pour nous faire, pour nous prendre une minute de recueillement, dans mémoire, ministre Orlando Jorge Mera. Merci. Après République Dominicaine, nous avons Haïti tout, nous avons des informations. Nous connaissons que le mois de juin, c'est au mois environnement que nous avons. Eh bien, le ministère de l'environnement a gagné un agenda qui foule pour le mois de juin. Ça. On va le dire là, mais référez-nous à ministère de l'environnement pour nous faire toute activité qui a mené le mois de juin. En tout pays. L'autre information que nous gagnons tout, eh bien, c'est dans Floride là. Pour le monde qui dit anglais, on a pour ça qui est plus là. Et que je le dis tout à l'heure moi-même. Créole pour nous comprendre, ça passe là. Eh bien, on a une vidéo qui m'a passé pour nous, qui c'est l'histoire d'un jeune couple qui était fiancé sous bateau dans Coconut Grove.
tout konnen. A fè dekorasyon ak balon, se bel bagay. Men, li gen ti problèm paltou. An gade videyo sa pou nou ka wè eksaktman ki sa ki pase. Ouè ke balon y a éclaté, y a pété balon, tout moun sa se fin fete la, yo content. Et puis ton sa kap vin an y a fete, y a pété balon, kap tombe nan océan. Eh bien, tout moun sa yo, te en bas kode. Pour qui ça? Mou sou balon sa yo volé, tombe nan océan. Mais nous connaît. Pays qui baille gros importance à affaire environnement, pas d'accord pour quelle que soit créature qui dans l'océan, ta val manger mon sou ballon ça, pour coquer dans gorge et puis lui arriver tuer espèce. Et la police ramasse tout le monde et puis fait payer amende. Mais comment la police compte ça? Donc on est, et puis on est content avec l'affaire. Et on fait une fête, et bien, tout le bagage ça, yo aller sur les réseaux sociaux. Mais à partir des réseaux sociaux, yo déterminer tout le monde qui était dans l'activité ça, que c'est le monde qui était fait ballon yo en bas. Mais c'est comme ça. Ça a payé une façon pour nous-mêmes, pour nous dire, respecter l'océan. Quatrième, bah, nous allons dire là, comme information, c'est information, ok, nous gagnons Portugal. Eh bien, conférence sous océan, eh bien, les prêts terminés dans la cour Portugal, dans Lisbonne. On regarde ça. Lisboa recebe o encontro decisivo para salvar o oceano, proteger o futuro. A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, organizada por Portugal e Quênia, decorre de 27 de junho a 1 de julho. Governantes e parceiros sociais debatem ações para implementar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que visa proteger a vida marinha. Em 2022, o futuro do oceano decide-se em Lisboa. Très bien. Qu'on y a fait un cadre, non? Cinquième point hein, qui est censé en rapport avec l'activité que nous avons menée, hein, c'est que 17 juin, qui vient là, ça veut dire semaine prochaine, c'est pour aller une journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse.
Nous déjà connaissons ces sujets ça que nous allons traiter semaine prochaine. Et bien avec ça, nous allons entrer directement dans l'émission. Je salue encore tout le monde, bien tout le monde qui fait venir dans l'émission. C'est 67e épisode, Rete Tanke Bedlo, que nous gagnons aujourd'hui et que nous suivons là à travers le monde. Et comme nous tous connaissons, c'est toujours un grand plaisir pour moi, pour nous chita à cause avec nous, sous affaire de l'eau et environnement. Et je vous dis, sujet assez, Journée mondiale océan. JMO 2022, et nous recommandons nié, mais en Mauritanie. Eh bien, nous allons démarrer l'épisode là, comme d'habitude. Nous connaissons pour nous-mêmes capables de suivre côté nous aller là. Eh bien, nous sommes toujours partis dans le Caraïbe là. Eh bien, mon cap suivi mission ça pour première fois. Maman de yo, est-ce que yo connaît qui quantité richesse qu'a brassé dans bassin Caraïbe là? À qui quantité touristes qu'a circulé tout partout dans Caraïbe là sans que yo pas rentrer Haïti? Et même haïtien yo nous était à regarder. N'aprele, yo gan toujou. C'est pas possible. Mais peuple haïtien, m'a dit nous, c'est dans bassin Caraïbe là que Haïti a baigné. On fait le propre. Pour étranger qui a vinn baigner la donne sous belle côte nous tout. Eh bien, mon crème Haïti yo, m'a dit nous, on mette tête nous ensemble pour nous organiser nous. Pour améliorer l'environnement pays sous tout plan pour nous accueillir comme ça droit touristes étrangers à tout petit pays qui peut tout visiter l'autre côté. Eh bien, si nous fait ça, ça permet tout petit pays à joindre un peu dans la richesse sa yo cap circuler dans bassin Caraïbe. C'est ça m'tare, mais qui fait. Eh bien, nous travaillons pour ça. Et faut nous suivre pour nous arriver à mettre ça en place. Eh bien, pour entrer en matière, nous avons quitté Caraïbes là. Eh bien, nous avons quitté Caraïbes là. N'a gardé côté nous braler. Nous braler Mauritanie. Par bateau, bien entendu, on allait sur l'Atlantique là. Eh bien, j'en ai gardé là. Nous en Mauritanie. Mauritanie, n'a gardé si sous carte là. C'est parti qui vient là. Côté, je vous dis, 18 juin, gagné activité qu'a fait et qu'a privé pendant tout mois net sous océan. Il faut nous garder la capitale Mauritanie. Nous sommes capables de voir comment ça y est en Mauritanie. Nous sommes capables de garder toujours quelques images de la capitale là. Parce que Mauritanie,
c'est un pays qui a organisé un gros événement Journée mondiale océan 2022. Parce qu'il y a 5 pays qui prennent ça en charge pour organisation officielle. Mais nous allons faire ça nous-mêmes en deux temps. Nous allons voir Journée mondiale océan 2022. Et après ça, nous allons chita sous géo-environnement pays Mauritanie. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mercredi 8 juin 2022, c'était Journée mondiale océan. Cap continue à fêter pendant tout le week-end. Non. Même, nous capables de dire, juste dans le fin mois de juin. Pour nous mettre nous au parfum, m'a dit nous, que ce pays Canada qui te propose 8 juin dans le sommet la terre qui te fait Rio de Janeiro dans la Coupe Brésil dans l'année 1992. Décrété en 2008 par l'Assemblée générale des Nations Unies, mais c'était en 2012 dans le sommet la terre avec les Nations Unies qui te fait dans Rio de Janeiro le 8 juin, te proclamé Journée mondiale océan. Pour qui ça n'a célébré Journée mondiale océan? Premièrement, m'a dit nous, Journée ça lui permettre que yo mobiliser à unir toute population dans le monde sous une gestion plus durable océan. Journée ça permet tout que nous rendons hommage à qualité belle femme ça que nous relie océan, que nous capable dit la mer qui ouvre bras ben nous pour l'offrir nous toute beauté li à toute richesse li. Journée mondiale océan li la tout pour li rappeler nous que océan c'est véritable pour mon planète là qui joue un rôle primordial dans subsistance nous et me dit nous pour qui ça? Et bien c'est parce que li founi majorité oxygène que n'a respiré. Et puis tout, li se yon source important nan zafè manje ak médicament. Li se yon élément essentiel biosphère la tout. Et nous capable di en fin de compte li se source la vie. Moun ak tout organisme qui sous terre. Donc, vite ta kembe de l'eau, ouè que li important pour sensibiliser public là, sous place fondamentale que océan occupé dans l'écosystème, ak sous menace tout que n'a fait sous océan à travers activité nous. Bien, dans journée ça, qui activité qu'a mené dans le monde là, dans moment? Même qu'a dit nous, depuis hier 8 juin, qui c'est plus grand jour international qui consacré à la mer, juste 1er juillet Capignan, célébration, les temps mais sous 5 continents. Et c'est dans le moment ça que
tout aquarium, tout partout, tout musée, tout la science, toute association ak institution qui consacre yo à éducation environnement, yo animé yon série de activités concrètes pour tout moun ka participer libre. Kit se atelier artistique, pédagogique, conférence, film, nettoyage plage, nettoyage pour yo tout, ta concours. A la belle, sa ta belle! Si nous ta wè tout partout dans le pays d'Haïti, tout moun ak mette main pour nettoyage plage nou yo. Tant coup, tout moun te pren kati yo en charge non yon. Eh bien, nous ka fè ça tout. Bon an mè yo, bon plage nou yo. Eh bien, comment so di nou? Journée mondiale océan, li pral clôturé à une conférence sur l'océan qui a déroulé Lisbonne dans la Coupe Portugal du 27 juin au 1er juillet. Donc là, son bagage est un événement pour nous suivre tout. Et ça permet nous, ouais, que célébration Journée mondiale océan, li vin tourner un gros événement qui prend cher tout partout dans le monde. Là. Mais pour qui ça? Eh bien, c'est pour arriver que l'océan yo en santé. C'est pour sensibiliser tout le monde, tout, puis bien gérer la mer à toutes les ressources yo. OK. Mais kounye a pral mande nou ki tèm Journée mondiale océan 2022. Journée mondiale océan 2022. Gen pou tèm pral ba nou an anglè, nan genyen an tout lan yo, pou tout moun ka fiv evenman, ka konnen, ka pawèl nan lang pa yo. Nan gade an anglè, revitalization, collective action for the ocean. Nan gade l devan nou la, nou kapab genyen tout en espagnol, thème lancé, revitalisation, action collective pour l'océan. Et nous avons bien tout. En portugais. Revitalisation, action collective pour l'océan. Et nous gagnons en français qui langue pas nous, qui c'est Journée mondiale de l'océan et revitalisation action collective pour l'océan. Mais comment nous dit nous-mêmes dans la langue maman nous? Bien, dans la maman nous, on a dit on mette main pour nous rebâiller la mer la vie. Et c'est ça que nous voulons faire là, la première témoin pour nous rebâiller la mer la vie. Mais thème journée mondiale, ça, que nous dit là pour nous, mais il est inscrit dans le cadre décennie Nations Unies pour sciences océaniques dans le service développement durable. Et bien, la forme de cette vidéo, mandez-nous pour nous prendre soin de la mer. On partage l'épisode là, on partage pour l'autre. Parce que c'est important pour tout le monde connaître, pour prendre conscience
pour prendre soin de la mer. Parce que les océans en bonne santé, planète là tout, il est en bonne santé. Et puis tout, faut nous prendre pile précaution. Parce que tout ça n'a fait dans la communauté nous, capable de gagner de impact qui positif ou bien négatif tout sur l'océan. Moi, pour le dire, nous, au dernier bagage. Nous sommes dit que l'océan, c'est véritable pour mon planète là, pas vrai? Mais, quoi que la planète là y est? Nous connaissons que, dans le domaine ça, mettre doit toujours faire analogie à tout le monde, pas vrai? Parce que nous tous, nous avons de l'eau dans le corps. Et que sans nous tous, c'est de l'eau liée. Mais c'est que nous qui pompons ça dans tout, partout, dans le corps. C'est pas ça? Eh bien, l'océan, il joue le même rôle ça. C'est lui qui pompe de l'eau dans tout droit. Coin dans le monde, là, quel que soit côté dans le monde, là, ça partit de l'océan que je viens de dire. Nous songeons dans l'épisode 4 là, nous avons parlé du cycle de l'eau. Donc, ça veut dire que nous tous au courant de qui parcours de l'eau a fait. De toute façon, on garde ça ensemble. Que l'eau a sorti dans l'océan par évaporation l'allée dans l'atmosphère et l'ivine tomber ok sous terre avant même qu'elle tournait dans la mer. On a regardé devant nous là pour nous comprendre chez Bassa. Et nous tous connaissons tout. Que quantité de l'eau douce que nous gagnons est très limitée. Donc, nous devons préserver. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si nous voulons protéger l'océan, bien entendu, eh bien, nous devons commencer par protéger le bassin versant hydrographique. Jean que la forme de l'eau est toujours répétée. Retete a kembe do yo nan basen yo. Ki vle di nan mon yo. Maintenant, maman dit nous, qui objectif Journée mondiale océan? Eh bien, on cap dit nous, il y a quatre objectifs principaux. Premier, c'est joindre une façon pour faire tout le monde sentir qui sa gloa représente dans la vie yo? Et puis yo bali en pile valeur. Deuxièmement, c'est sensibiliser tout le monde pour yo konnen premièrement importance à beauté, diversité, habitat, à créatures vivantes qui nan rivière yo, nan lac yo et plus précisément dans océan qui nan fete jounen.
observer ça, puis on connaît tout impact action yo sur ressources ça. Troisième objectif là, c'est à changer habitude. Tout moun ta dwe vini sa rele yon sentinelle kap veye de loi, kap gere de loi et kap préserve l pour génération kap vini. Et quatrième objectif là, c'est à célébrer journée. Que nous était bord de l'eau ou non, j'aimerais là, nous avons fait de l'eau. Eh bien, organiser des événements sous thème là et puis participer là-dedans pour tout le monde qui a entré là-dedans tout. Eh bien, qui côté célébration officielle yo a fait année ça? Chaque année, célébration officielle yo fait non vous dans pays différents. Dans l'édition 2022 ça, gagné 5 pays à travers continent. Dans 5 continents qui prend en charge organisation gokoken célébration ça. On a dit nous, c'est la France, c'est Mauritanie côté ni là. C'est Italie, États-Unis, Australie et même Danemark entré dans cause. Kounya vraiment de nous qui ça nous-mêmes nous devons faire bon côté pas nous pour protéger l'amen. Mais pour bay pou nta fait c'est sensibiliser population sous problème la mer. On a fait des émissions dans la télévision, dans la radio, dans l'école, dans l'église. Nous avons fait des manifestations artistiques pour des conférences débat pour tout le monde qui est scientifique, qui est censé porter participation par yo dans l'idée. Et puis on fait des ateliers pédagogiques tout. Et là, ça, on a pas prendre si moun yo, ça nous relie la vie marine. Puis on connaît créature qui vivent dans la mer, tout créature yo. Et ça nous demande l'école yo tout. L'église yo, université yo, yo fait des excursions pédagogiques dans la mer. Et ça tout, yo arrivé orienter jeunes yo vers métier de la mer. Tant pis bel métier dans la mer. Puis, ça qui est important, moi, dis-nous là, c'est amener, ça relie opération plage propre. Mais ça, on a continué à nettoyage plage dans tout pays. Et puis, tout, nous arrivons à encourager le concours qu'a fait, mon cas, on est sous qui ville qui a plus belle plage, plage qui est plus propre dans chaque département. Nous avons fait ça, ça a encouragé, mon yo. Mettez plagio et puis propre. Évitez que yo. On connaît toute activité que nous avons fait dans la mer. Évitez tout ça pour ne pas polluer la mer. Puis ça, on va demander l'État à tout pour améliorer le réseau assainissement. Nous, pour que les déchets solides, les déchets liquides, les déchets de gagner, les eaux par yo, qui sont censés parler vraiment. Polluer la mer. L'autre question que m'a posé, maman de nous, qui ça par exemple, nous particuliers, nous moun, si vous voulez protéger la mer côté lié? La réponse là, c'est que la rentrée, suivant moyen, nous avons 5 points que nous sommes là. Et puis tout,
Li pa jete fatra nan la mer. Li pa fin detwi kout e espesyo kote ap viv la. Ebyen, la kite yo grandi, pi yo bay pi plis. An pren pa ekzanp si lan bi yo. En ap pren lan bi yo, lan bi yo tout piti, nou ketan pren yo, epi nou lage yo, nou akwe. Ou mwen nou ta ka kite lan bi yo grandi. Poisson yo tout, nou pren poisson yo tout piti. Nou ta kite yo grandi, de fason ke nou genyen yon certain volume, nou se pa ki plus grand. Men si nou fè tout bagay sa yo ansanm, ebyen, nan rive genyen yon aveni ki meyo pou jenerasyon kap vini. Nan epizod sa, mwen mette yon rubrik sa nou dwe konen la dan. Paske nou pa ka pale de oseyan jounen jouti ya, pou nou pa konen importans oseyan ki sa liye. Men ki sa nou dwe konen sou oseyan? Mab di nou, oseyan yo kouvri 3K sufas ter. De l'eau sous terre, c'est nos océans. Océans représentent en volume 99% espace la vie qui est disponible sous terre. Dis-nous toujours. Océans absorbent environ 30% CO2 que nous produit. Il y a atténué impact réchauffement climatique là. Océan yo, c'est pi gros source mondiale protéine. Et nous capable di nou que gen plus passe 3 milliards moun qui dépend de océan yo pour principal source protéine. Bon nous toujours. Plus passe 3 milliards moun dépend de biodiversité marine à côtière pour subvenir à besoin. Et ça nous le connaît. La pêche là, de créer emploi. Parce que la pêche maritime, l'emploie directement, ou soit, nous avons dit indirectement, plus passer 200 millions de monde. Et pour nous, ça nous le connaît plus. Parce que nous ne passons pas poisson seulement bien dans l'envers. Eh bien, aussi, nous avons gagné environ 200 000 espèces que nous avons identifiées. Mais, vrai chiffre là, ka ale pi yo. Et dernièrement, ça me l'a dit nous, valeur marché ressources à l'industrie marine, ou côtière, estimé à 3 000 milliards de dollars par année, soit environ 5% PIB mondial. C'est beaucoup fait y causer, non?